Good morgen, allez, Yiden les Yisro aujourd'hui, Leilu Nishmat Avram Ben Yosef et Moshe Ben Yaakov Taraba Kohen, ainsi que l'Irfoua Traya Vega Batlea, Sarah Bat Nechama et Hanalea Bat Gitel de Borabdor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude du Mishnah à côté de la 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui Maserhet Psachim Per Exaïn Mishnah Dalet. Chamisha Devarim Baim Betuma, Ve'enan Nechalin Betuma, Ha'omer, Ushte Alechem, Velechem Apanim, Zivre Shal Mitzibur, Usire Rache Chodashim. A Pesach, Sheba betuma, nechal betuma, sheloba mitchilato ela la achila. On va commencer dans nos prochaines Mishnayot à parler d'un sujet très particulier qui se trouve dans les Korbanot Tzibour. À savoir, vous savez qu'une personne impure n'a pas le droit d'entrer au Beth Amikdash, n'a pas le droit de toucher des Korbanot parce qu'elle va les rendre impures, n'a pas le droit de consommer des Korbanot. Il y a sur ça un chiouf karet si on rentre au Beth Amikdash alors qu'on est impur, de là entre autres. L'interdit d'entrer aujourd'hui au Harabait, dans le monde du temple, parce qu'on ne sait pas se purifier comme il faut. D'accord? C'est un peu des sujets complexes. Donc, interdit d'entrer au Harabait, au Beth Amikdash, interdit d'entrer, interdit de manger des korbanot. Et pourtant, il y a une certaine famille de korbanot que l'on apporte même lorsque l'on est impur. Plus précisément, tous les korbanot Tzibour, les korbanot que l'on fait à des moments bien spéciaux, les korbanot des fêtes en l'occurrence, et dès que on va se retrouver dans une situation où il va y avoir le rov du Ham Israël, ou le rov des Kohanim, il y a plusieurs facteurs, qui va être impur, puisqu'on est tous devenus impurs, on est la majorité devenue impure, la Torah elle a dit, ben, vous ferez les korbanot même si vous êtes impur. C'est un très grand chidouche, on va avoir des personnes impurs qui vont entrer au Beth Amikdash pour faire la voda parce qu'on est tous impurs. Spécifiquement par rapport, et tout est déduit entre parenthèses, du Korban Pessah particulièrement. La Torah, vous savez bien que dans la Torah, dans le Chumash Bamidbar, il y a le, dans Be'alotra, je crois, le Vahi, Anashim, Asherayut, Me'tmim, le Nefesh Adam, il y avait des hommes qui étaient impurs, qui sont partis voir Moshe, et qui l'ont dit, pourquoi Lama Nigara, pourquoi est-ce que nous, on ne pourra pas nous aussi faire un Korban parce qu'on est impur, on s'occupe des morts. Et alors, on a quand même envie de faire le Korban Pessah, donc du coup, il y a l'histoire avec le Pessah Sheni. Là-bas, la Torah, elle s'est exprimée. Le Pessah Sheni, entre parenthèses, ça va être un des sujets des prochains prakim. Mais avant d'arriver au Pessah Sheni, on commence d'abord avec le Pessah Rishon, à savoir, est-ce que l'on va être dans l'impossibilité d'apporter le Korban ou pas? À savoir, donc, la Torah l'a dit. Là-bas, la Torah l'a rallongé en insistant, comme ça, en disant, si il y a une personne qui est impure et qui n'aura pas fait le Korban Pessah, il fera le Pessah Sheni. À une personne, donc le Rov ne fera pas le Pessah Sheni, mais fera le Pessah Rishon, même si on est devenu impur. Et de là, la Torah a dit Bemo Ado, pour le Korban Pessah. On apprend Xera Shava, on juxtapose avec tous les autres Korbanot des fêtes ou qui ont un moment fixe, où il y a écrit là-bas le mot Bemo Ado, et on déduit qu'on apportera le Korban même lorsque l'on est impur. Ça, c'est l'introduction générale avant d'arriver à notre Mishnah. Notre Michel va nous apporter maintenant une précision encore plus précise. Avec, parmi les korbanot qu'on apporte au Beth Amikdash, il y a des korbanot qu'on va manger et des korbanot qu'on ne mange pas. D'accord? Korban Ola, il n'est pas consommé. Korban Shlamim, il est consommé. Khatat, ils sont consommés partiellement par les Kohanim, les Seire Khatat. C'est-à-dire un jour de fête classique. On est sûrement pas Shavuot. Prenez un jour de fête de Yom Tov de Pessah, au Beth Amikdash. Pas le 14, le 15 Nissan. Il n'y a rien, il y a Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah aussi le même principe. On se retrouve avec des fois un Par, Aïl, Shavak Vassim et un Khatat. C'est les classiques qu'on trouve dans la Parashat de Pinchas et qu'on lit toujours dans le Moussaf. En rapport à ça, Rami Moumouté Metaken Natifilat Moussaf. Dans ces Korbanot, il y a des Olot qui ne seront pas consommés. Et il y a aussi des khatats qui sont consommés. La Mishnah va m'enseigner une généralité. De manière générale, lorsque tu vas faire un korban alors que vous êtes impur, tu fais le korban, mais vous ne mangez pas alors que vous êtes impur, à une seule exception. C'est le korban Pessah. Le korban Pessah du 14 Nissan. Lui, il a un statut très particulier, puisque, et ça on va le découvrir dans notre Mishnah et dans la prochaine Mishnah encore, où il y a une insistance particulière où le korban Pessah, le but du korban Pessah, c'est quelque part qu'il soit mangé le soir. Donc du coup, on va mettre
le focus sur la nécessité de le manger. Donc si on va te permettre de faire le Korban Pessah alors que vous êtes impur, on va même te permettre de le manger. C'est ce que la Mishnah est venue en fait m'enseigner ici. Et je commence à traduire. Chamisha dvarim baim betuma. Cinq choses viennent alors que l'on est impur. On pourra porter cinq types de korbanot d'offrande. Il y en a plus en réalité, mais bon, la Mishnah les a regroupés en cinq. Cinq groupes de korbanot, cinq offrandes que vous allez apporter betuma alors que vous êtes impur. Mais par contre, ils ne seront pas consommés betuma. Parce que la Torah n'a pas donné de dérogation de les manger. Et quels sont ces cinq-là? A Omer, le korban du Omer, on va les expliquer après, le transfert après, mais d'abord je les lis. A Omer, Ushte Alechem, les deux pains c'est tous les Shabbatot. Et non, les Shte Alechem, c'est le. Plutôt, les Shte Alechem c'est de Shavuot. Velechem Apanim, c'est la voda du pain de Shabbat. Vezivre Shalmei Tzibour. Et les Zvarim qui sont des Shalmei Tzibour, des Shlamim qu'on apporte en Tzibour, c'est ce qu'on apporte à Shavuot de nouveau. Cette fois-ci, c'est des Korbanot Shlamim publics, ce qui est très rare, ça n'existe presque pas. Je crois que c'est la seule fois même. Le seul cas de figure où il y a des korban shlamim, en général tous les korban tzibur, que ce soit des olas, soit des khatat, là on a un shlamim. Ou seire rachet chodashim, idem aussi pour les seirim, les seir, c'est les béliers, de roche chodesh qu'il faut apporter, tous les khataot, et en fait inclure de là tous les korban khatat de toutes les fêtes. On a voilà les cinq cas de figure. Cela, donc je t'ai dit, tu les apportes, mais tu ne les manges pas. Par contre, à Pessah Sheba Betuma, le Pessah que tu vas apporter alors que tu es impur, donc de la dérogation pour tout le peuple d'Israël d'apporter le Korban Pessah alors que l'on est impur, sache que cette fois-ci, Nechal Betuma, il sera même consommé alors que vous êtes impur. Pourquoi? Sheloba Mitrilato Elala Chilakar, dans son essence, il n'est venu que pour être consommé. Le but du Korban Pessah, c'est d'être mangé en famille. Soit, en général, un Korban classique. Le but, c'est de faire la Voda ou Bet Hamikdash, avec tout le symbole que ça implique, la mitzvah, elle est spécialement de faire le rituel au Bet Hamikdash, alors que le Korban Pessah, le Bet Hamikdash, c'est un peu, si je peux dire, technique. Donne la part au Mizbeach, que le Mizbeach aussi reçoive sa part, Hachem, mais le but, c'est que tu sois assis en famille le soir et que tu le manges. Donc du coup, lorsque je vais te permettre de faire le Korban Pessah alors que tu es impur, sache que cette fois-ci, ce sera une permission même de le consommer, à la différence de tous les Korbanot. D'accord? Voilà pour la Mishnah. Maintenant, on explique un petit peu mieux chacun des cinq cas de figure qui ont été rapportés. Il y a le Homer. Le Homer, c'est le 16 Nissan cette fois-ci. Ce qu'on lit, si vous faites la Sfirata Homer, le premier soir, on lit un long texte qui raconte comment le Am Israël a porté le Korban Pessah. On l'avait étudié dans Masechet Menachot, entre parenthèses, longuement. On avait vu toutes les Mishnah qui parlaient du sujet. Le Korban à Homer, en théorie, il est consommé. On apporte une offrande d'orge, avec tout un rituel, comment le moudre et comment le faire sécher, parce qu'en général, l'orge à Pessah est encore frais, il va falloir en faire de la farine. Pour en faire une semoule, on va faire une offrande, ça va être le coup d'envoi pour pouvoir commencer à consommer les nouvelles récoltes de l'année, lever l'interdit du Issur Hadash. Et après, en théorie, une fois qu'on avait fini le rituel, le reste de la mincha était consommé par les Kohanim. Cette fois-ci, si ils ont fait le Korban, c'est la minchata Omer, alors qu'ils étaient impurs, ils ne pourront pas la consommer. Shtalechem, c'est l'histoire des deux pains de Shavuot. Un rituel aussi qu'on avait aussi appris dans Menachot, si je ne me trompe pas plus que Zvachim, j'ai un petit doute. Je crois que c'était Menachot, logiquement, oui. On apprenait, il y avait deux pains spéciaux avec des Shlamim, aussi c'est le quatrième qui va être important ensuite. Zifre Shalmei Tzibour, Shavuot, il y a un rituel spécial d'apporter de nouveau des pains de la nouvelle récolte, mais cette fois-ci plus d'orge, comme au début du Homer, mais à la fin du Homer, on apporte des pains qui sont chametz. On ne va pas en faire une offrande sur le Beth Amikdash. On ne va pas le faire monter. Qui chol sur le chol de vache, l'otel tiro menu shalachem. On n'apportera jamais du chametz sur le Mizbeach. Là, n'est pas la question. Mais on doit l'apporter pour faire un rituel avec les shlamim et les balancer. Il y a un rituel entier qu'on fait. Et donc, après, ces pains, ils sont consommés par les Kohanim. Là, vous ferez le rituel, mais vous ne les apporterez pas ensuite. Vous ne mangerez pas ensuite les pains. Donc on a fait comme ça le deuxième et le quatrième. Il reste le troisième, c'était le Lechem Apanim. Lechem Apanim, c'est les 12 pains du Shabbat, où il fallait partir chercher, sortir les nouveaux pains, sur le Shulchan qui était à l'intérieur du Echal, mettre aussi c'était dans Menachot, c'était explicité tout ça,
On apportait les nouveaux pains, on récupérait les anciens pains. Et les pains ensuite, ils étaient partagés entre les Kohanim. On prenait les basichines, il y avait là-bas des cuillères avec dedans du non-sens qu'il fallait prendre et qu'il fallait faire monter sur le misbéach. On fera le rituel, on fera monter l'encens sur le misbéach. Mais les pains ne seront pas consommés de nouveau. Le cinquième, c'était Seirer Hashem Chodashim, et inclure dans ça tous les korbanes khatat publics. Tous les korbanes khatat publics, où il y a des parts qui seront consommées par les Kohanim en théorie. Lorsque vous ferez le korban khatat alors que vous êtes impur, vous ne pourrez pas le consommer. D'accord? Vous ferez le rituel sans le manger. Et à la différence, bien sûr, du korban Pessah, qu'on a dit que le korban Pessah, par contre, puisque le but, il est d'être consommé, alors lorsque tu le feras alors que tu es impur, tu pourras ensuite le manger chez toi. Mais attention, précision super importante de la Gemara, on ne parle que de l'impureté de celui qui était en contact avec un mort. Qu'en théorie, il doit faire la Hazaa. Comme on a lu dans Parashat Trukat, dans le Parashat Para, il fallait faire l'aspersion de l'eau de la vache rousse au troisième jour, au septième jour, pour pouvoir consommer. Là, cette impureté, elle est levée. À la différence des autres impuretés de Zav, de Nida, de toutes sortes d'autres impuretés, qu'ils ne seront pas levés sur l'interdit de Korban Pessah. En aucun cas, celui qui est impur avec les autres impuretés, il sera reporté au deuxième tour, lorsqu'arrivera le Pessah Sheni, il le fera là-bas, son Korban. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.